Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien et que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, ce sont des thématiques qui vous parlent. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et partager la vidéo autour de vous. Alors, le truc c'est qu'aujourd'hui on va un peu parler de ce jeune Nigérien qui a décidé d'aller combattre avec l'armée ukrainienne en fait. Alors, le truc c'est que j'ai regardé dans les médias, j'ai fait mes recherches par rapport à un peu la situation. Pourquoi est-ce que un jeune Africain a décidé d'aller, pourquoi pas, combattre avec les jeunes, avec l'armée ukrainienne. Alors, ça a un peu attiré mon attention et du coup, j'ai fait des petites recherches là-dessus et j'ai décidé de, pourquoi pas, de vous parler un peu de cette histoire en fait, que je trouve quelque part rocambolesque parce que voilà. Comment se fait-il qu'un noir, du moins un Africain, décide d'aller vouloir combattre en Ukraine avec tout ce qu'on a vu comme information dans les réseaux sociaux, là où en fait les Africains sont totalement mis à l'écart en ce qui concerne l'évacuation des déplacés de guerre, en fait. C'est-à-dire qu'on empêche les Africains de pouvoir traverser la frontière de la Pologne parce que simplement voilà ils sont noirs et du coup moi ça a un peu attiré mon attention. Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. Le truc c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que ce jeune en fait c'était à la base un jeune étudiant africain qui a décidé d'aller étudier en Ukraine et les choses se faisant il a décidé de s'enrôler en fait dans l'armée ukrainienne, dans l'armée, non, c'est-à-dire que voilà, il est allé, c'est un jeune étudiant autant pour moi, qui allait étudier en Russie en fait, c'est-à-dire il allait étudier en Russie, et du coup, en allant étudier en Russie, il a décidé de s'enrôler dans l'armée russe en fait, et il faisait partie des réserves de l'armée russe, et il évoluait bien dans l'armée, tout ce qui va avec, les choses se passaient bien pour lui, et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il devait aller à l'ambassade des États-Unis. Je crois peut-être, je ne sais pas s'il voulait faire des démarches administratives là-bas. Mais toujours est-il que, vous savez qu'il y a une grande guerre entre la Russie et les États-Unis en fait. Et du coup, quand on l'a vu sortir de l'ambassade des États-Unis, automatiquement, l'armée russe, du moins les dirigeants de la structure, l'ont directement pris comme étant un espion américain. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que On a décidé de le mettre en prison en fait, c'est-à-dire qu'il a été torturé, il a reçu beaucoup de sévices et de traumatismes. Et du coup voilà, c'est-à-dire que, et c'est dans ce contexte-là en fait que quand il va sortir de prison, l'État russe en fait va lui faire une proposition en disant que au final on a vérifié que tu n'étais pas un espion, malheureusement voilà il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur toi. Mais on te propose toujours, est-il que tu as toujours ta place à l'armée, mais dans un poste un peu plus différent en fait. Et clairement, le jeune homme va refuser cette offre-là en fait, estimant que déjà il a été bafoué, déjà il a été torturé. Donc il ne voit plus l'intérêt, pourquoi pas, de continuer à être dans l'armée russe en fait. Et c'est comme ça qu'il va décider de sortir du pays en fait. Et quand il va décider de sortir du pays, le moyen par lequel il va décider de sortir du pays, justement, c'est de passer par l'Ukraine, en fait. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que, voilà, il va décider, par rapport à l'annonce qui a été faite, et il y a eu un truc dans les réseaux sociaux, là où, en fait, on disait qu'il y a un Africain qui veut aller, qui va aller combattre avec l'armée ukrainienne, en fait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le truc, c'est que le jeune Africain a subi des situations de torture et de racisme en ce qui concerne la Russie en fait. Et du coup, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, il veut prendre sa revanche quelque part aussi. Et vous savez qu'il ne faut pas qu'on se mente, la Russie est un pays raciste. Et ça, personne ne va le démentir. La preuve, c'est que je crois l'année passée, on avait assassiné un étudiant gabonais comme ça dans les circonstances vraiment non élucidé jusqu'à maintenant en fait, parce que voilà, on l'a trouvé mort et tout ce qui va avec. Et le truc c'est que on n'a jamais trouvé les raisons pour lesquelles il a été assassiné en fait. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de situations comme ça qui se passent en Russie, malheureusement, qui se passent toujours sous silence en fait. On connaît bien évidemment le contexte dans lequel les noirs sont traités en Russie, mais le truc c'est que à un moment donné,
au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut raconter sur Poutine et sur la Russie, moi je pense que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la Russie, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher au comportement des Russes. Mais l'évidence, c'est que actuellement, dans le contexte qu'on vit actuellement, il faut reconnaître que oui, Poutine n'est pas un ange. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais au moins, on peut lui donner ce mérite-là de quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, en fait. De quelqu'un qui a toujours eu un franc-parler en ce qui concerne les États avec lesquels il devrait dealer, en fait. Et je pense que clairement, à un moment donné aussi, peut-être c'est ce qui nous manque dans notre communauté. Le fait que ce qu'on cherche souvent, c'est que, au lieu de chercher à traiter avec des personnes avec qui veulent diriger, qui veulent avoir des partenariats avec nous, de parler de business véritablement, ce qu'on fait souvent la plupart du temps, c'est qu'on parle, on cherche des sentiments, on cherche à se faire aimer. Voilà un pays par exemple comme la Russie, c'est-à-dire que elle commence à beaucoup s'intéresser à l'Afrique. Mais c'est dans ce contexte-là où, en fait, nous les Africains, si on décide véritablement de nous engager avec la Russie, il faudrait clairement qu'on commence à mettre sur la table des négociations la façon dont les Russes aussi traitent les Africains qui sont en Russie. Parce que tant qu'on va simplement se taire en voulant simplement faire du business, mais on va oublier le fait qu'on a des ressortissants africains qui sont en Russie et qui parfois sont traqués, qui sont parfois assassinés dans des conditions toujours non élucidées parce que simplement, nous les Africains, on ne prend pas la mesure de pouvoir parler de ça quand les Russes veulent vouloir négocier avec nous, en fait. Et c'est ce qui est dommage, nous les Africains, c'est que quand on doit parler des intérêts qui doit intéresser toute la communauté, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère se cacher sur des intérêts individuels. Et ça, il faut clairement que ça cesse. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais vraiment bien expliquer dans quel contexte, en fait, le jeune Nigérian, là, a décidé de vouloir aller combattre dans l'armée ukrainienne, en fait, au-delà du fait que, voilà, on est en train de dire qu'en Ukraine, on est en train de, voilà, on est en train de trier les Africains et tout ce qui va avec. Mais il fallait vraiment que j'explique ça dans ce contexte-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune homme, en fait, à la base, il a une dent contre la Russie par rapport à tout ce qui s'est passé et qu'il a subi là-bas, en fait. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent se former, n'hésitez pas à nous suivre. Et surtout, regardez dans la barre de description, on a toutes les formations disponibles déjà prêtes à l'emploi. Et voilà quoi. Sur ce, on se dit à la prochaine.